Bonsoir et bienvenue à l'édition 10 de ce jeudi 7 décembre. On va commencer tout de suite avec le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui a félicité les policiers pour leur implication dans la création d'un environnement sécuritaire pour les fêtes de fin d'année lors d'une conférence de presse ce matin. Le chef du gouvernement en a profité pour annoncer plusieurs mesures qui vont être adoptées dans l'optique de la sécurisation du pays, particulièrement pendant cette période. Président Jovenel Moïse, il passait nous des instructions claires que nous-mêmes nous passons à ministre. C'est zéro tolérance en ce qui concerne corruption. Et nous-mêmes, nous prenons toutes mesures jugées nécessaires pour une bataille contre la corruption. Donc nous obligés à rationaliser Bayo, notamment recrutement. Agent public, la loi, constitution pays, l'éclair la donne. Toute nomination qui fait pour faite au niveau d'administration publique, non? Je voulais parler de tout ministère, c'est le premier ministre qui doit faire nomination ça. C'est que moun qui t'a écrit constitution nou yo, moun qui a écrit l'autre texte de loi yo, quand nous avons deux textes de loi qui dataient de 2005, qui parlaient de fonctionnement et d'organisation de l'administration publique, yo tout yo clair. Et le nous rive là, nous pas venir pour nous imposer ça dans tête nous, mais nous venir pour nous appliquer la loi. Et le fait que nous n'avons pas appliqué la loi, ça fait qu'on prend une gargote dans le pays. Par exemple, on pourrait que il y a deux ministères, là nous paraît, qui ont 3 000, 5 000 contractuels. Imaginez, on a un contre ici pour 5 000 personnes qui travaillent, ou pas qui côté pour mettre ou non. Donc, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, nous dit non, bah, ça n'a pas de fait encore. Et ça fait que, le nous arrivé comme Premier ministre, il y a un certain nombre de circulaires que nous voyons by tout responsable au niveau de l'administration publique. Circulaire ça, nous avons circulaire 002, c'est un circulaire que nous faisons le 5 avril. Donc, c'est quelques jours après que nous arrivons comme Premier ministre. Nous avons circulaire 003, qui est toujours relative à la rationalisation de la fonction publique et au contrat de service du personnel contractuel dans l'administration publique. C'est un circulaire qui date du 17 avril. Nous avons circulaire 005, qui sont rappels qui datait du 23 mai, et enfin, nous avons un dernier circulaire qui datait du 26 octobre, côté que nous fait rappel à circulaire antérieur. Qui donc, différents circulaires, c'est un message que nous t'envoyons. De sorte que, pour que nous ne prenions aucune surprise, côté que, nous voyons que une instance l'État ou bien au ministère, ils font paquet de nominations de contrats, et puis nous-mêmes qui sommes responsables de l'administration publique, nous ne sommes pas au courant. Donc c'est peut-être ça que nous demandons pour appliquer la loi. C'est que tout contrat qui doit passer au niveau de l'État, faut yo adresser contrat ça yo au bureau du Premier ministre via l'OMRH qui est office de management des ressources humaines, d'accord, et là pour traiter contrat ça yo, et puis moun qui répond à profil là pour nous payer au contrat. Et à l'heure qu'il est, tout ministère, tout bureau l'État,
qui respectait la loi, qui respectait les circulaires du Premier ministre, tout bureau ça yo, contrat yo honoré. La 34e session de l'Assemblée paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique se tiendra en Haïti du 13 au 20 de ce mois. Plusieurs délégations devant y participer sont déjà au pays, selon le premier secrétaire de la Chambre des députés, Jean Willer Jean. Le dossier relatif à l'épidémie du choléra en Haïti sera abordé au cours de cette 34e session, rapporte le parlementaire. Nous participons dans plusieurs activités à CPIE. Et je dis à la, c'est nous capables de dire dans cette période, ça, c'est un grand honneur pour nous, surtout pour nous pour c'est nous-mêmes qui recevoir ACPIE en Haïti. Je pense que ce n'est pas seulement pour Haïti, mais c'est pour toutes les Caraïbes. Là. Je dis à penser, nous avons une délégation qui commence à rentrer jeudi, mercredi à la. Toute semaine, nous avons des délégations qui rentrent pour au moins nous capables surtout planifier et commencer d'emblée les 13. ACP. Parlez-nous de Assision, quelque chose. Je pense que Assision a gagné et a gagné un gros problème, les députés ont été soulevés. Heureusement, nous résolvons le problème. Ça, c'est sous question choléra. Nous avons gagné pour nous des commissions qui ont reparti sous question politique, sous question économique, sous question choléra et santé. Je pense que jeudi, nous-mêmes, nous c'est ensemble des problèmes que nous d'accord sur yo et alors c'est ensemble des points nous d'accord sur yo et ça va le permettre au moins nous pas seulement comme participants et moun cap recevoir ACPIE mais na moun tout cap très actif dans toutes les décisions qu'a prend yo qui ça ACPIE ACP alors ACP c'est assemblée parlementaire paritaire. Et là, on prend UE, c'est l'Union européenne. Je dis à penser nous-mêmes, vu avec Haïti qui c'est maman liberté, vu avec Haïti qui toujours mettait le bon côté liberté, et c'est un aspect qui permet nous-mêmes nous faire partie des ACP UE. L'Institut haïtien de statistique et informatique a lancé aujourd'hui le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Recensement population en ses affaires, nous toutes, en poté collé, c'est le thème choisi pour réaliser ce 5e recensement. Le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, ainsi que d'autres partenaires qui supportent ce projet, étaient présents à la cérémonie de lancement. Il faut que nous bien comprenions que le recensement sont opérations essentielles pour un pays. C'est ce qui permet de gagner toute information pertinente sur qui quantité de monde nous avons dans le pays, qui gens d'Acadie, population, qui gens évoluent, est-ce que quantité de monde grandit, qui côté est établi, qui problème qui gagne côté est établi, qui gens caillou construit, qui combien de kilomètres de route qui gagnent, donc ils permettent de gagner toutes les données. Et ces données qui permettent de comprendre à partir de l'état de santé de la population, qui politique santé a développé, à partir de niveau de formation, qui politique éducative, à partir d'entreprises qui établissent un côté, qui politique de formation professionnelle. Donc, il faut que nous comprenions ce instrument qui est essentiel pour ensemble l'État. Tout pays est embarqué vers la nouvelle technologie. Donc, Haïti n'a pas campé. Les mêmes l'héritage traditionnel. Faut nous-mêmes tout avancer dans la région. C'est peut-être ça, nous mettons en place toute structure qu'il faut et nous gagnons collaboration, non seulement le ministère des Finances, qui est le ministère de tutelle, non, le gouvernement haïtien, le premier ministre, là, le président de la République, de manière à ce que nous réalisions le recensement ça dans de meilleures conditions possibles. Son recensement, nous allons utiliser près de 20 000 tablettes numériques. Donc, près de 20, mon personnel de près de 20 000 agents pour le déployer sur le terrain pendant une période de 30 jours pour collecter des informations au niveau de tout ménage, tout logement qui est dans le pays. Haïti réalisé le dernier recensement de population en 2003. Donc, ça fait déjà 14 ans. Or, recommandation des Nations Unies, et avec ça, nous avons changement qui gagne dans le comportement démographique. Yo. Donc, les Nations Unies recommandent pour ces chaque 10 ans pour gagner un recensement de population. Actuellement, IHSI,
li créé un bureau qui est le bureau du recensement pour mettre en place et réaliser le 5e recensement de population pour Haïti qui est prévu pour 2018. Donc, à la fin de l'année 2018. La Banque de la République d'Haïti a remis des certificats à plusieurs professionnels des médias qui ont participé à une formation de 9 mois en économie. L'initiative visait à renforcer les capacités de ces journalistes pour mieux orienter les échanges entre les responsables financiers et le grand public. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Baden Dubois, explique que la démarche devrait faciliter une meilleure compréhension des décisions prises dans le secteur économique. Trop de monde qui dit des bagailles qui passent. C'est pour raison ça que nous sommes prêts journalistes là pendant 9 mois, côté que nous faisons des cours de formation technique pour eux et nous permettons tout parler avec différents acteurs de policy makers, monde qui fait politique publique, yo, de façon à ce que qu'on comprenne pourquoi ça telle décision prend, surtout en politique monétaire. En politique monétaire, là nous prenons des décisions, ont des conséquences sur toute population. Mais c'est difficile pour nos banques centrales, pour nous 10 populations, mais pourquoi ça nous prend telle décision? Et décision, c'est toujours en faveur de la population. Mais très souvent, on a des incompréhensions. L'idée de formation avec les journalistes, pour éviter que tout le monde dise ça qui passe ça, et il y a de mauvaise foi, mais il y a de bonne foi tout parce que vous ne connaissez pas. Donc, nous n'avons pas de prétention de faire que vous venez des économistes. Mais par contre, vous êtes suffisamment informés et avertis de façon à ce que politique monétaire, le n'a fait politique monétaire au niveau de la Banque centrale, ou bien les politiques publiques. On peut prendre l'exemple du budget. Il y a pile des incohérences qui dit à propos du budget, qui n'est pas correct. Mais si vous avez des gens qui sont formés, à ce moment-là, vous même qu'à corriger et mettre dans la perspective, côté vous faire tout le monde comprendre pour qui ça, il y a tel bagage qui fait. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que nous avons besoin que l'information économique et financière, là, qui ont une information très souvent difficile à expliquer au grand public. Donc, il y a même des journalistes avec capacité de communication, ils peuvent mettre à niveau tout le monde, de façon à ce que tout le monde comprenne. Le n'a parlé, la Banque centrale a parlé de politique monétaire, qui ça veut dire, le que il y a des décisions de politique publique qui prend, que ce soit au niveau du ministère des Finances, que ce soit au niveau de la primature, au niveau de la présidence, pour que les gens comprennent vraiment, voici pour qui raison politique ça a fait, qui est fait que vous parlez, et ainsi de suite. Ou après, puis fort média, c'est surtout le taux du jour. Et puis, mais, parce que dans le pays, nous, c'est surtout, bah, qui gagne, c'est actualité politique là, nous mettez en phase sous les médias. Donc, ça qui gagne rapport avec l'économie. Parce que tout soit, chaque jour, l'économie, il y a des conséquences, il y a des incidences sur chaque action qu'on a posée en dedans au pays, en dedans en société. Kovlel, économie, son élément qui est très, très important dans la décision qu'on prend. Et méconnaissance. Deux outils économiques, méconnaissance ou du moins ignorance de information économique. Donc, là, il y a une information qu'on a qui fait côté nous, il y a des notions, nous, il y a des éléments qui permettent que nous mieux comprenions ce qu'est l'économie. C'est la utile radio, la utile auditeur, la utile pays. Parce que c'est nous qui sommes capables et de lever niveau débat. C'est nous qui sommes capables de mettre en bémol les gains et trop barré capable pas ça dans le domaine économique. Donc m'estimer journaliste qui prend information ça yo ta capable vraiment font différence par rapport avec faiblesse lacune qui te gagne la cage journaliste dans le domaine économique. Faut nous dire que c'est une très bonne initiative dans la mesure où ça permet que nous renforcer capacité nous en termes d'analyse et en termes d'analyse politique et économique, mais ça permet nous connaître tout qui rôle chaque institution gagne, à savoir le parlement ou bien la BRH comme étant institution qui gagne mission pour réguler monnaie, c'est-à-dire pour assurer la stabilité macroéconomique du pays. Ça permet que nous avons ensemble d'informations qui est capable de permettre que je dis à ensemble d'analyses politiques, ensemble d'analyses économiques et nous-mêmes en tant que sanité capable de et leader d'opinion, nous avons ensemble d'informations pour mieux appréhender, nous mieux outiller je dis à pour faire des analyses à tous les points de vue. Toujours au cours de cet événement, le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Baptiste Dubois, est revenu sur le circulaire du 1er décembre de la BRH exigeant que les transactions des cartes de crédit et débit émises en Haïti soient facturées en gourdes. Le gouverneur a affirmé que les institutions financières ont jusqu'au 1er avril 2018 pour respecter cette exigence. Cette décision devrait dissuader les particuliers à amasser des gourdes pour l'achat de dollars, espère le numéro 1 de la Banque centrale. Nous soutenons circulaire depuis près de 3 mois
Côté nous averti depuis longtemps que à partir du 1er décembre que toute transaction qu'a faite sur un code de crédit, que transaction en fait en Haïti, que transaction en fait l'autre bord de l'eau, li supposé fait libellé en gold. Ça c'est premier partie circulaire là et ceci depuis 1er décembre. Ça veut dire que depuis 1er décembre, quel que soit monde qui font transaction sur compte li, transaction supposé passer sous compte moun nan en gold. Ça veut dire que c'est là aux États-Unis la l'acheter, la paye en dollars normalement, j'en ai habitué payer. Mais le la privé l'a traversé sous compte li en gold. Et ça, il n'est pas le fait avec taux que Visa ou bien Mastercard utilisé, qui très souvent en fait, qui ont taux très proche de taux d'achat en fait, taux de vente en fait de devises en dollars en Haïti. Si vous achetez tout en Europe, transaction a fait en euros, mais vous n'avez facturé en gold. Il va juste calculer les taux de change là et puis la payer en gold. L'objectif qui est recherché, c'est que on haïtien en général, ou majorité haïtien, c'est revenu en gold que vous avez. Ou pas besoin que chaque haïtien toujours bon souci pour la chercher justement qui gens que le pral converti do gold lio pour joindre des dollars qui viennent faire l'obliger toute la journée c'est un pile petit dollar dans poche et qui font rétention de dollars qui diminuent tout offre de dollars qui ka gain disponible sur marché pour les transactions. Donc fondamentalement à partir du 1er décembre, ça veut dire que depuis et semaine dernière l'action qui se passait là, toute transaction faite sous carte de crédit depuis son carte de crédit qui est mise en Haïti, transaction ça, mon le l'a gardé sous compte lui, c'est en gold. Cependant, il y a monde qui t'a gagné carte de crédit, il était en dollars et en gold. Ceux qui ont anomalie dans n'importe qui pays. Dans n'importe qui pays, la carte de crédit, OK, est libellée en monnaie nationale. OK, et c'est une particularité, c'est tout un pile gymnastique que nous devons obligément des Visa Mastercard fait. Le que a venu en Haïti pour être introduit carte de crédit, il est obligé pratiquement font sorte de subterfuge pour avoir deux comptes. C'est comme si c'est deux comptes qu'on gagne sous carte de crédit. Mais c'est parce que nous-mêmes nous toujours fait ben nous gens différemment. Mais là c'est tout simplement une normalisation que n'a fait. N'a fait ça qui est normal pour faire dans tout pays. Donc maintenant comme il y a monde qui t'ai gagné dollars, il y a des comptes en fait on partit en dollars sous carte de crédit, on partit en gold. Nous bail institutions financières ont un certain temps de façon à ce que yo converti balance qui sous compte mon nan de façon à ce que balance là li vinn qu'on y a là en gold tout si bien que à partir du 1er avril tous les comptes OK ta supposé en gold sont l'autre anomalie pour qui ça que la monnaie la constitution reconnaît la gold comme la monnaie nationale pour qui ça est-ce que obligé chaque commerçant, je dis, vient tout non agent de change. Parce que commerçant choisit taux de change pâle pour le baou. Et c'est ça qui force les consommateurs là très souvent à quimbé dollars. Parce que là, le magasin, alors que le taux au niveau de la Banque Centrale aujourd'hui, c'est à peu près 64 gouttes 30 colliers. Et puis, ou aller acheter nos magasins, ou aller acheter nos boutiques, ou bien nos restaurants. Et puis, aujourd'hui, 100 dollars liés, mais si vous voulez payer un goutte, mais l'équipe tout m'a pas accepté. Et bien content que nous avons une équipe journaliste qui saute faire formation, c'est des problèmes qui doivent être posés. Il faut que nous montions dialogue là. Effectivement, ça c'est le rôle. Ce rôle a été attribué en fait par les législateurs au ministère du Commerce. Ok. Et moi, carrément ouais, dans un proche avenir, que le ministère du Commerce renforce et enforce pour le cap forcer justement tout établissement pour être capable mettez prix en good. Ou pas besoin qu'on quitte le. Maintenant, si on est là où vous payez en dollars, là, ça, on va juste utiliser le taux de la BRH, le taux de référence de la BRH. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, mais que dirige Aviol Florent, a signé ce jeudi 7 décembre le document baptisé Plan Travail Conjoint pour mettre campé quatre têtes ensemble pour développement durable Nations Unies. Ce document, s'étendant sur une période de 4 années, soit de 2017 à 2021, devra servir comme structure d'action de développement durable et permettre de prompt retour sur différents domaines, a précisé le ministre Aviol Florent. Ces plans nous interpellent toutes et tous et chacun d'entre nous sera appelé à y participer. Nous construisons l'avenir
et il faut s'y mettre résolument pour qu'il soit meilleur. L'action de notre gouvernement est imprégnée par la pensée du développement durable et ainsi, il s'active à introduire à travers tous ses ministères et toutes ses constituantes une nouvelle ère, celle de la réconciliation du niveau de vie, du mode de vie et du milieu de vie en Haïti. Madame, Monsieur, chers partenaires, avec ces considérations, le gouvernement s'inscrit dans une vision de développement à long terme, à la fois harmonieuse et responsable. Le MPCE, animé par ce souci du développement, prend des décisions aujourd'hui en pensant au futur et est chargé de consacrer cet engagement du gouvernement en chair et en os, en action de développement durable qui devrait le hisser parmi les États les plus progressistes en la. Dans le cadre des activités visant à marquer les 16 jours d'activisme contre la violence pour l'année 2017, la Commission Équité de genre du Parlement a organisé le mercredi 6 décembre un cocktail artistique à l'intention des organismes travaillant dans le domaine des droits de la femme et des enfants. Cette soirée a été l'occasion pour le Sénat de la République d'affirmer son engagement à l'égard des femmes et des filles. Nous convenons de... modifier tous les textes législatifs qui contiennent des discriminations contre les femmes afin de renforcer le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. 2. Intensifier le développement et la mise en œuvre des initiatives d'information, de formation et de sensibilisation au sujet des conséquences néfastes de la violence faite aux femmes au sein des deux chambres, du corps législatif et auprès du public. Les signataires, votre serviteur, Salomon Jean-Marie Junior, Delva Garcia, Fétière Jean-Marie Ralph, Foucan Richard Lénine Hervé, Jelin Wilfried, Jacinthe Sorel, Jean-Jacques Sauveur, Willow Joseph, Lambert Joseph, Larèche Ronald, Louis Olondieu, Sildor Pierre François, Dumont Pierre-Paul Patrice. Cette déclaration qui m'est plus tout à l'heure a valeur de confirmation par les élus de la détermination de ces derniers à respecter les promesses électorales et à remplir dignement la mission qui leur a été confiée par les mandants et en place entre les mains de leurs députés et sénateurs la responsabilité d'œuvrer à l'aménagement d'un avenir rassurant pour les citoyens et les citoyennes d'Haïti. Cette responsabilité inclut tout naturellement l'obligation et la fierté de porter dignement la couleur orange et d'agir en l'honneur et en faveur de celles qui portent en leur sein et dans leur cœur la sacro-sainte mission reproductive de construire et d'accompagner les bâtisseurs de nation. Cette initiative à laquelle le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'est associé signifie qu'aujourd'hui, les organisations féminines, les militantes féministes, les organisations de droits de la personne, l'Institut de bien-être social et toute autre instance travaillant sur la problématique de la violence faite aux femmes et aux filles peuvent compter sur une alliée sûre au sein du Sénat. En effet, la prévention de la violence faite aux femmes et aux filles ne doit plus être l'objet de regrets, de vœux pieux ou encore de condamnations.
verbale, alors que les agresseurs, les criminels, continuent à courir les rues à cause de l'impunité sur la base de faiblesse des lois ou encore d'absence de mécanismes de contrôle au sein de la justice haïtienne. Ils agissent sans crainte de peines significatives et infamantes. Même durant la période des séjours d'activisme, plusieurs cas de violence, particulièrement de viol, ont été pénétrés là à Port-au-Prince, sous nos yeux. Aussi, profitons-nous de cet espace pour joindre notre voix à celle des femmes, des filles, des citoyennes, des citoyens. Unissons notre voix à celle des ministres de la Santé publique et de la Justice pour qu'enfin la loi sur la violence faite aux femmes et aux filles fasse partie du prochain menu législatif. Selon la première dame de la République, Martine Moïse, qui participait à la soirée, il y a nécessité de renforcer les institutions travaillant dans les domaines de l'enfance. On peut aller jusqu'à l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Il faut renforcer également les institutions qui travaillent avec les enfants, surtout le bien-être social et le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Il faut également renforcer les lois qui sont là et écrire de nouvelles lois pour que ces femmes et ces filles cessent de se faire violenter. Nous sommes leur voix. Nous sommes leurs yeux, nous sommes leur espoir. Le président de la Commission Affaires sociales de la Chambre des députés appelle le gouvernement à mettre sur pied un programme social en faveur des démunis à l'occasion des fêtes de fin d'année. Jean-Marcel Luméan s'est dit encouragé par les promesses de la ministre des Affaires sociales de venir en aide à des enfants en situation précaire. Un engagement pris par la ministre Stéphanie Auguste en marge d'une rencontre ce jeudi avec la Commission Affaires sociales de la Chambre des députés. Nous avons rencontré avec le ministre des Affaires sociales, là, avec toute entité qui relevait des affaires sociales, puisque nous connaissons généralement, fin d'année, nous avons des questions sociales qu'il faut aborder. Nous avons soulevé pour regarder quelle perspective le gouvernement a gagné en matière sociale pour l'intérêt de la population. Cependant, le ministre a dit que nous avons une disposition qui apprend, mais je vous dis qu'il est encore tôt, on n'est que 7 décembre, nous pouvons faire suivi avec lui pour qu'on ait réellement des mesures qui s'attendent. Cependant, nous souhaitons que ce n'est pas des mesures de dernière minute qui pourraient être gonflées dans un petit poche que nous ne connaissons pas, nous capables de rejoindre la population dans le bénéfice pour capable au moins passer en fin d'année dans une meilleure possibilité. Aujourd'hui, il y a une nécessité pour que le gouvernement Lafontaine Moïse Nant prenne de nouvelles dispositions qui tendent à avoir besoin de gens qui sont mal. Il y a des instances qui l'ont pour ça, tant que CAS, mais ou pas senti que yo rivé sur la population. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont faites, mais actions, les gens qui coordonnées, c'est des bagailles depuis toujours qui qu'on a faites dans la même directive sans aucun changement. Donc, même si vous souhaitez que une politique sociale qui tend plus vers vos population pour capable de venir au mieux être dans le temps. Allons à l'Université d'État d'Haïti cette fois, où un groupe d'étudiants est resté mobilisé sur la cour de la Faculté des sciences humaines dans le but de réclamer le retour à la normale dans le fonctionnement de cette unité de l'UEH. Au cours d'un sit-in organisé dans l'enceinte de la faculté ce jeudi, ces étudiants ont sommé les dirigeants de la FACH d'exiger la sécurisation de l'espace par des agents de la PNH. Je ne sais pas si je suis obligé de faire 4. Je ne sais pas si je suis obligé de faire 4. Depuis, moi, c'est une deux sessions nous perdu là. Dirigeant
On va dire rien, bon dieu bloqué faculté, donc nous pas grand rien pour nous faire. Nous obligé nous vinn jouer, nous yo là que nous dans jouer carreau, dans jouer domino et quatre qui t'en jouer, nous vinn jouer et puis pour dire on va avec nous. Nous même nous besoin suivre cours. Nous vinn l'école c'est pour nous ca suivre cours. Si dirigeant pas ca prendre responsabilité pour faire nous suivre cours. Jean Sadoué que au démissionner, que au bail démission tout ça. Nous mandé présence policière en dans espace là tout autant que bandits n'ont pas quitté l'espace là fonctionner. C'est-à-dire que les policiers qui ont intervenu, ils doivent faire 3 mois, ils doivent faire 6 mois, ils doivent faire même 1 an s'il le faut. Tout autant que même comportement qui fait la police intervenir, ils toujours là. Il faut que la police là. Dans la mesure où le comportement ça n'est pas là encore, nous n'avons pas besoin de présence policière encore. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres éditions. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée sur la TNH.